J'ai vu que tu te déconnectais, alors je suis passée te donner quelque chose. Un petit cadeau de bienvenue. On offre des prix pour récompenser nos meilleurs employés. Et c'est tant mieux, parce qu'au niveau des bonus, il n'y a rien de prévu ici. Je crois que j'ai dû en recevoir 11. Oh. Bonjour. Bien sûr. Je vais transmettre. Eh bien, on dirait qu'Olivier aimerait te rencontrer. C'est génial. Suis-moi. Il est au dernier étage, t'auras aucun mal à le trouver. Mais le reste du bâtiment est un peu déconcertant au début. Alors, notre équipe technique a mis au point une appli pour que tu te repères. Regarde ton communicateur. J'y ai ajouté l'emplacement du bureau d'Olivier. Tu le trouveras facilement. Olivier est un type bien, t'as pas à t'en faire. Ergo Enterprise. Je m'occupe de tout le côté technique. T'as une minute ou... Oh, mais merde. Le tracker me dit que tu vas au bureau d'Olivier. Oh, bon, pas grave. Je t'appellerai quand t'auras fini. J'ai un service à te demander. Bonjour. Allez-y, entrez, Olivier vous attend. Eh bien, à moins que vous n'insistiez vraiment pour que je l'abandonne, je ne vais pas mettre en danger notre projet vedette. Edward Kenway est le... Mais c'est avec ça que Hollywood a fait ses grands débuts, non? Les films de pirates, Douglas Fairbanks, Errol Flynn, et maintenant on a accès aux trucs authentiques. Oui. Tout à fait. On reparlera de tout ça à l'Assemblée des actionnaires. D'accord. Moi aussi, j'ai hâte de vous voir. À bientôt, Laetitia. Salut, ça va? Merci de ta visite, j'apprécie vraiment. J'ai jeté un coup d'œil à tes données. J'avoue que c'est du lourd. Tu sais ce qu'on va faire? On va juste nettoyer un peu tout ça pour toucher le public familial. Peut-être qu'Edouard devrait avoir une voix à la James Bond ou dans ce genre, pour jouer sur la séduction. C'est une très belle ville, non? Bon, la vraie raison pour laquelle je t'ai fait venir, c'est cette histoire d'observatoire. Tu sais cet observatoire qui est mentionné à plusieurs reprises dans tes images? Alors je voudrais que tu essaies de localiser ce groupe de mémoire le plus vite possible, s'il te plaît. En ce qui me concerne, c'est pas important. Je m'en fous complètement, même. Mais ça fait plusieurs jours que des grands pontes d'Abstergo ne cessent de me les réclamer. Alors, suis toutes les pistes que tu trouveras, et avec de la chance... Oh, j'ai un appel. Faut que je le prenne. Tu me tiens au courant. Bonne journée. Alan, bonjour. Oui, tout va bien. Naturellement. Oui, bien sûr. Allez, c'est encore John. T'as une seconde? Cool. J'ajoute un petit repère sur ton plan. Alors voilà. Ce matin, une de tes collègues est partie en vacances en oubliant de m'envoyer le fichier vidéo qu'elle m'avait promis. Comme je déteste à peu près tout le monde à ton étage, je me suis dit que tu pourrais m'aider. Il faut juste récupérer le fichier sur son ordi et le donner à la courtière quand elle passera. C'est super facile. Tu vas jusqu'à son animus, tu te connectes et tu transfères le fichier. Tranquille. Et traîne pas, hein. Sinon, je trouverai une raison de te détester. Cette porte est fermée? Aucun problème. C'est l'un des avantages de mon habilitation de niveau 1. Maintenant, tu l'as aussi. N'en abuse pas. Connecte-toi, je vais te guider. Bon,
Tu dois contourner le noyau pour accéder aux données qu'il contient. Ton communicateur les téléchargera automatiquement. Navigue jusqu'au cœur du noyau pour atteindre les données qu'il abrite. Il a craqué. Parfait. Le fichier devrait se télécharger. J'ai créé une base de données pour toutes les informations que tu trouveras. Va voir dans la section « Mes documents » de ton communicateur. Tout ce que tu télécharges sera stocké ici. Protégé par un firewall, ça va de soi. 23 décembre 2012. Rapport du chef d'équipe de l'unité de collecte d'échantillons Fisher Case concernant le sujet 17 Desmond Miles. Le sujet était décédé et laissé sans surveillance. L'heure de la mort a été estimée à 0h07. Les conditions étaient favorables à une récupération d'échantillons d'ADN. Les interférences identifiées dans la crypte ont causé quelques inquiétudes, mais grâce au talent de l'équipe, nous sommes parvenus à récupérer des données exploitables. J'ai récupéré le sac à dos du sujet et en ai extrait un certain nombre d'objets présentant un intérêt en vue d'une analyse détaillée. Le sujet présentait des brûlures à la main droite, assez intenses pour causer une fusion osseuse, ce qui témoigne d'une forme de combustion spontanée. Jusque-là, nous n'avions jamais rien vu de tel. La tête, le cou et le torse étaient en bon état. J'ai personnellement sélectionné les agents chargés de récupérer les fluides corporels, sang et salive. Nous avons ensuite procédé à l'extraction matérielle et au prélèvement de plusieurs échantillons. L'analyse et le séquençage des données sont déjà en cours et se déroulent remarquablement bien. Grâce à la base de données Cloud et aux échantillons récupérés par Abstergo, l'héritage du sujet 17 pourra continuer à être exploité sous la dénomination échantillon 17. Tu te débrouilles bien mieux que je l'aurais cru. Maintenant, redescends vite à l'accueil. Au fait, le fichier que tu as récupéré... Je te conseille pas de le regarder. Tu peux, bien sûr, mais c'est pas très plaisant. Alors, une fois que tu l'auras refilé, fais comme si c'était rien passé, ok? Sinon, tu iras te coucher avec le moral à zéro. Bon, la coursière devrait t'attendre en bas. Elle est là depuis un moment. Hé, c'est pas parce que tu viens d'apprendre à pirater les ordis de tes collègues que t'as le droit de le faire. Enfin, pas tous les jours, d'accord? Non, sérieusement, c'est illégal, alors joue pas au con. Sauf si c'est dans ta nature. Je crois pas que je pourrais continuer. Ce boulot est très en dessous de mes compétences. Peut-être, mais ton café est pourri. Va falloir que tu t'entraînes. Quoi ? Non, non, non. J'ai suivi la recette à la... Hé, regarde qui voilà. Tu as fini par te souvenir de nous ? Mais quel manque de politesse. Ça fait presque une demi-heure que Rebecca poirote. Hé, le British, bat les pattes. Fais pas attention, il a trop forcé sur le café. Bon, comment on s'y prend ? Transfert de données ? Super, ça devrait le faire. On t'enverra le reçu. À la prochaine. À plus, Sean. Ouais, salut. Et t'iras voir ailleurs pour le café gratuit. Arrogante. Cette fille est géniale, non ? Salut, je viens d'apprendre que t'avais vu la coursière. Magnifique, t'es un vrai miracle. Non, 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 c'est trop, j'exagère. T'es pas un miracle. Tu obéis aux consignes. Tu fais ton boulot. Mais j'apprécie ton aide. En tout cas, merci. Amuse-toi bien, avec des pirates. Assistance au niveau 2, projet échantillon 17. Support to the second floor, sample 17 project. Hé hey. Où est-ce que tu vas? Au marché? Non, je... Mes parents m'ont demandé de revenir vivre chez eux, et j'ai accepté. Comment ça, vivre chez eux? Tu vis ici, avec moi? Je suis désolée, Edward, mais mon père a raison. Tu avais de bons gages quand tu travaillais à la ferme. Pourquoi tu ne peux pas te contenter de ça, de moi? De bons gages? Ce travail, c'était à la fois du vol et de l'esclavage. Tu veux être marié à un paysan toute ta vie ? D'accord, Edward.
Tu as raison. Si tu t'en vas, Caroline, tu ne profiteras jamais de mon succès. Caroline ! Caroline ! Kid. Debout, Kenway. Satchella ? Il est parti ce matin sur le galion. Il est persuadé qu'on trouvera comment faire bon usage de cette vieille crique. Aïe, il a raison, on en fera quelque chose. Il y a assez de place pour y cacher une flotte. Et avec de la bonne volonté, on pourrait tous venir s'y installer. Ma femme se laisserait peut-être même convaincre. T'es marié, vraiment? Aux yeux de Dieu, je le suis. Mais elle est partie depuis longtemps. Peu importe. Parle-en à personne. La plupart de ces pirates n'ont aucun respect pour ceux qui prêtent allégeance à autre chose que le rhum et le pillage. Sur mon honneur. Dis-moi si tu trouves quelque chose. Drôle de structure, non? Venue d'un autre temps. Qui les a faites? Les Mayas? Ou les Aztèques? T'es doué pour les énigmes, Edward? Les devinettes, les mystères, tu vois le genre. Autant que n'importe qui, pourquoi? Je crois que t'as un don inné pour ça. Ta façon d'agir et de penser. Ta manière de voir le monde. Oh, j'en sais trop rien. Tu parles par énigme, là. J'ai déjà du mal à te suivre. Grimpe au sommet de cette chose, tu veux? Je vais avoir besoin de ton aide. Concentre-toi, fais appel à tous tes sens. Regarde au-delà des ombres et des bruits, au cœur de la matière. Ah, je comprends, je connais ça. Je le fais depuis mon enfance. C'est comme si j'utilisais tous mes sens à la fois. Voir les bruits et entendre les formes. Tous les hommes et les femmes de cette terre ont une forme d'intuition tapis au plus profond de leur être. J'ai possédé ce... T'as un don de la nature, Edward. C'est plutôt étrange. Ça vaut quelque chose? Pas son poids en sable. Mais si tu les trouves toutes, t'auras droit à quelque chose de grandiose. Il y en a beaucoup? Quelques dizaines, je crois. Par ici! J'ai autre chose à te montrer. J'ai trouvé autre chose par ici. Je crois que ce secret sera bien plus à ton goût. Ah, ça, ça ressemble à un mystère. Impressionnant, non? Et attends un peu de voir ce qu'il y a au bout. Nous y voilà. Qu'en penses-tu? Je pense que Monsieur Ducasse aimait les secrets. En effet, il regarde ça. Un escalier dont on connaît pas la destination. Où est-ce qu'il mène, d'après toi? Compte tenu de la réputation de Ducasse, je ne serais pas surpris d'y trouver d'atroces instruments de torture. Une vierge de fer ou une collection de brodequins. Ou une poire d'angoisse.
C'est pas une jolie manière de mourir. Mais ça, c'est un bel équipement. Mais c'est la clé que t'as prise à Ducasse. En voilà une. Plus que quatre. Ouais. Peut-être que ces quatre Templiers les ont. Tu vois ces noms ici? Ils ont été envoyés pour tuer ces quatre cibles. Bon sang, c'est la carte que j'ai vendue au gouverneur Torres à La Havane. Il m'a dit qu'elle indiquait les campements d'assassins. Tu crois pas que tu devrais les avertir, non? S'il y a encore un cœur qui bat dans ta poitrine? C'est dans mes cordes. Surtout si ça mène aux autres clés. S'il y a vraiment que ça pour te convaincre. On va déjà? Je crois que cet endroit est fait pour toi, Edward. Bien davantage que cette tenue. Oh, qu'est-ce que tu dis? On est des pirates, kid. On prend sans demander. On fait selon nos envies. C'est notre seul code. Mais ça, ça te va pas. T'es pas cette personne. Et je suis quoi, alors? C'est dur à dire, mon ami. Tout ce que je sais, c'est que t'aimes prendre des risques. Et l'Observatoire? Je crois que tu en sais bien plus que tu en as dit à Nassau. Ah, t'as senti ça, alors? Retrouve-moi à 20 degrés 3 minutes de latitude nord au large des côtes du Yucatan. D'ici quelques semaines, j'aurai quelque chose à te montrer.